Depuis plus de 15 ans, la ville de Drancy mène une démarche écologique globale avec et pour ses habitants. Cette politique lui a valu d'être récompensée en 2018 d'une Marianne d'or. Aujourd'hui, avec le soutien de la région Île-de-France et de l'État, la ville inaugure une centrale solaire qui s'inscrit dans cette dynamique. Les 642 mètres carrés de panneaux photovoltaïques installés sur le toit du tennis club drancéen produiront 105 MWh par an. Drancy injectera l'énergie produite sur son territoire dans le réseau électrique. Le tarif de revente ultra compétitif assure une rentabilité rapide des installations, permettant de continuer à investir massivement dans les énergies renouvelables. Avec désormais plus de 2000 m² de panneaux solaires sur les toits des équipements publics et des immeubles de l'office HLM, Drancy est l'une des villes d'Île-de-France les plus dynamiques en matière d'énergie renouvelable solaire. Cette politique permet à la ville de réaliser des économies d'énergie, comme au centre administratif. Une partie de l'énergie consommée par les serveurs informatiques de la ville y est d'origine solaire. Au stade nautique, ce sont des panneaux thermiques associés à une pompe à chaleur qui assurent une température d'eau confortable aux baigneurs, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre des chaudières. Dans les logements de l'office HLM, c'est encore grâce aux rayons du soleil que l'eau sanitaire et les appartements sont chauffés. Il s'agit là d'une réponse concrète de la ville en faveur de la lutte contre la précarité énergétique. À Drancy, il y a aussi la biomasse qui permet de chauffer l'eau avec une énergie propre pour plus d'un millier d'habitants du quartier de l'Avenir. Et à partir de 2020, la géothermie assurera les besoins en chauffage à plus de 10 000 logements drancéens et balbiniens avec une énergie 100% verte. Grâce à ces investissements, la ville de Drancy se positionne clairement pour un avenir vertueux et durable.